Alors, voici pour commencer donc les tout meilleurs des qualifications que l'on va retrouver au sol. On commence avec le Roumain Dorin Razvan Selariu. Selariu qui est un gymnaste expérimenté qui était vice-champion d'Europe à Debrecen au concours général. Vice-champion d'Europe battu par l'Espagnol Rafael Martinez que l'on verra également dans cette finale. Selariu, 22 ans, 1m72. Voilà, gymnaste assez grand, on peut le remarquer. Oui, 1m72, c'est grand pour un gymnaste. Vous allez voir, il ne se débrouille pas si mal. C'est parti. C'est parti pour son mouvement au sol. Avec au début une rondade flip et un full, le corps groupé. Je vous explique un petit peu ce que c'est. Il a fait une double rotation, suivie de deux vrilles. Très grosse difficulté. Saut de main, double vrille avant, percuté salto avant, un et demi roulé, parfaitement maîtrisé. C'est bien parti pour le jeune Roumain. Troisième diagonale, double vrille et demi, vrille, salto avant demi-tour. Ah, bien sûr, l'enchaînement de difficultés rajoute des dixièmes. Voilà, des exercices de chorégraphie. Voici ce qu'on appelle les triples russes et la position en grand écart. Ça permet au gymnaste de souffler un petit peu afin de terminer son mouvement. Pour l'instant, c'est un bon mouvement que nous présente le Roumain. Allez, dernière diagonale, double vrille et demi, salto vrille et malheureusement, c'est la chute. Eh oui, et sur cette dernière diagonale, il va être sanctionné, Selariu. Ah oui, 5 dixièmes là, directement, plus la difficulté et le nombre de points que la difficulté rapportait, ça va lui passer sous le nez, ça malheureusement. Alors ce qui est terrible, hein, c'est qu'on peut dire d'ores et déjà que la médaille s'envole. Ah oui, c'est sûr que là, il a pris beaucoup de risques et c'est sûr que ça va être un peu plus difficile, mais ça a été que le premier à passer.